À Young, aujourd'hui, on va parler de Six avec Jungle. Bienvenue sur la chaîne, donc petite vidéo réaction à Six. J'ai pas fait leur dernier titre, je pense, en réaction, parce que j'avais pas eu le temps. Mais bon, là, j'ai du temps, donc du coup, je le fais. Pour ceux qui sont fans de Six, quittez cette vidéo. Pourquoi? Parce que... Petit disclaimer, parce que je vais dire ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, donc je vais essayer d'argumenter, de dire pourquoi il y a des choses qui me dérangent, pourquoi il y a des choses que j'aime bien. Je sais pas d'avance si je vais aimer ou pas aimer, mais si du coup tu veux pas entendre une seule critique sur ton groupe préféré, si c'est Six, si t'es très attaché à eux, je t'invite à quitter ma vidéo parce que ça va te faire du mal de, si t'entends quelqu'un dire ah bah j'ai pas trop aimé. Donc si t'es comme ça, que t'es vite blessé facilement, bah quitte cette vidéo. Pour les autres, bah vous savez que je vais pas faire pause parce que je regarde le MV comme il a été pensé, je risque de parler pendant toute la durée du MV si j'ai des choses à dire, donc je l'ai dit. Et je vais plus parler du MV que de la chanson parce que le MV il y a des choses intéressantes à dire, alors que la chanson si j'aime bien, c'est normal, c'est mes goûts et les couleurs. Et si j'aime pas, c'est normal, c'est mes goûts et les couleurs. Donc je pense que j'ai pas oublié de disclaimer. I don't think so. Oui, bien sûr, je me suis pas renseigné, j'ai pas vu de teaser, etc. Donc ça va être vraiment première écoute, tout frais, etc. Donc voilà. D'ailleurs, n'oublie pas de voter. Ok, Chart, c'est un classement musical coréen que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour quoi ça semble, je le mets juste ici. Allez, c'est parti, let's do it. 3, 2, 1, piou. C'est quoi cette agence? KQ? Ah non. C9. Y'a qui d'autre dans cette agence? À part eux. Ouh, de l'or. T'as des crânes et tout. Ah non, ça va être dark et tout. Berk. C'est une balade? À mon avis, ça va pas rester une balade longtemps parce que le MV il est beaucoup trop frénétique. J'avais bien aimé Movie Star, je crois que c'était de eux. J'avais bien aimé cette chanson. C'est marrant l'utilisation. C'est pas de l'orgue, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait très bande-son de James Bond, au niveau musical. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est grosse référence à la mort quand même dans tout le MV, genre le Styx, les limbes et tout. Alors la scène principale là, de danse avec l'espèce d'écran au-dessus, elle est pas mal. Mais le problème, c'est que ça me fait penser à un clip de 80s Inception qui est sorti très récemment où ils dansent aussi dans de l'eau avec du feu au-dessus de eux. Et du coup, ça me fait penser à ça. Le timing, je pense qu'ils avaient prévu de faire ça depuis longtemps, mais peut-être le timing, il n'est pas hyper... Ce qui est sympa, c'est qu'ils jouent vachement avec leurs danseurs. C'est-à-dire que la choré, c'est pas juste eux, c'est vraiment avec les danseurs et du coup, il se passe un truc. C'est joli cette scène-là. Je sais pas si c'est du mapping ou un effet par-dessus. J'aimerais bien voir la scène avec l'or un peu plus. Là, j'ai l'impression qu'on est plus à de la moitié du MV, on l'a à peine vu.
C'est beau ça, hein, en arrêt. Pourquoi? Si t'aimes bien la chaîne, sache que tu peux me soutenir via Utip, tu as le lien en description de cette vidéo. Et aussi, tu peux tout simplement t'abonner et faire la promotion de la chaîne, ça c'est gratuit, si t'aimes bien la chaîne. Donc pour parler de Six avec Jungle, franchement, j'étais un peu mindfuck pendant le MV. Bon, au niveau de la chanson, je trouve ça intéressant. J'aime assez bien ces espèces de ballades lancinantes, ça fait presque James Bond-esque. Il y a un petit côté... Enfin, j'aime bien, quoi. Pour faire simple, j'aime bien. Je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez original. C'est pas original dans le sens... on a déjà entendu ça plein de fois pour d'autres chansons, d'autres groupes et tout. Mais... c'est rare quand même, du coup ça fait du bien d'entendre ce style-là un peu de temps en temps, quoi, un peu plus lancinant et tout, et ça j'aime bien. Au niveau du MV, franchement je sais pas quoi en penser, parce que je trouve qu'à la fois il y a des... toutes les idées sont bonnes, maintenant je suis pas sûr de la réalisation de toutes. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que je trouve que les plans vont trop vite. T'as du... enfin, c'est tout des plans contemplatifs, quoi. Il y a la scène du cercueil de verre slash de glace. C'est une super belle scène et tu restes pas longtemps dessus. Enfin, je veux dire, si ça représente la mort ou l'arrêt de quelque chose, tu devrais mettre plus de temps à ça, parce que la mort, c'est pas rien, en fait. C'est la fin de tout. Donc, il faudrait vraiment, entre guillemets, donner une plus grosse importance à cet aspect-là, qui est la mort, du coup, en vraiment montrant que, genre, je sais pas, à faire un travelling arrière ou avant, qui reste plus longtemps, etc. Et pour toutes les scènes, en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est que ça parle de thèmes qui ont l'air assez dark, et je trouve que en les hachant très rapidement comme ça, on fait pas honneur à un thème qui est hyper important, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop important pour que ce soit balayé en 3 secondes, pour moi, bien sûr. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord et c'est normal. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Je me dis que les plans auraient dû durer plus longtemps. Et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait l'impression, je dis bien l'impression parce que je suis même pas sûr de moi là maintenant, de voir plus ou moins comme ils sont morts ou qu'est-ce qui leur est arrivé, parce que le type qui était avec les flèches, à un moment donné, il se relève. Et puis à la fin, tu vois des flèches retomber. Du coup, je sais pas si c'est ce qui lui est arrivé ou finalement ce qui lui arrive à nouveau parce que je sais pas quoi. Donc je sens qu'il y a une espèce de storytelling qui est mis en place et qu'on te raconte des choses. Ouais, j'aurais trop aimé, par exemple, c'est quelque chose que je me suis dit pendant le MV, j'aurais trop aimé que le MV commence par le fait qu'il soit mort et qu'en fait on fasse une espèce de rewind et en fait qu'on voit ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là. C'est plus ou moins ce que j'ai eu là, mais je peux pas vraiment dire ça pour tous les membres parce que... je pense qu'il y en a certains, j'ai même pas très bien compris ce qui leur est arrivé. Donc en fait voilà, il y a des super bonnes idées, le MV il est pas moche quoi, il y avait vraiment des choses qui sont très belles quoi, genre le lore c'était très beau, la scène du cercueil c'était très beau, même la scène des flèches, enfin tout est beau, c'est juste que j'ai pas tout compris, la manière dont ça a été raconté, c'est peut-être ça le défaut du MV, c'est la manière dont c'est raconté, la manière dont ça a été filmé et la manière dont ça a été monté en fait. Genre sinon, toute idée de base, elle est là, elle est super intéressante. Et j'aime bien aussi, alors bon, moi c'est pas trop mon truc, les trucs un peu dark, mais j'aime bien le fait que ce soit quand même évoqué, qu'on en parle dans un clip de K-pop de temps en temps, d'une certaine manière. Et là c'était un peu mystique, il y a même des références genre au Styx, enfin la descente du Styx et tout, ça c'était super intéressant. Mais c'est vrai que cette scène-là, en fait, elle était super... mais elle était vraiment trop courte, et il y a un moment où justement, une espèce d'arrêt sur image, on voit tous les bras comme ça qui vont vers la barque, et là on a le temps de bien voir, de bien regarder, et c'est là où j'ai trouvé que c'était super fort et super intéressant. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, vis-à-vis de la, entre guillemets, comment a été édité le MV, je sais pas si vous comprenez tout à fait, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, et moi, bah vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook et Discord, parce que j'ai un Discord à présent, voilà. Donc tu me suis si t'en as envie, si t'en as envie, mais si je suis abonné, bah merci et bienvenue à toi, et bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo réaction. Bye 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 bye. Annyeong.